Je m'appelle Elfrida André. Je suis née en 1841 à Visby, en Suède. J'ai étudié le piano, le chant, l'orgue et la composition à Stockholm avant d'obtenir mon diplôme d'organiste et de cantor à 16 ans. Mais ce métier est interdit aux femmes. Avec mon père, nous devons nous battre jusqu'à ce qu'une loi m'autorise à exercer en 1861. J'obtiens le prestigieux poste d'organiste de la cathédrale de Göteborg en 1866. Depuis 1858, je compose beaucoup et je crée parfois mes propres œuvres. C'est à Stockholm que ma première symphonie est créée en 1869. Mais l'exécution est outrageusement mauvaise. Je ne désespère pas et je compose une autre symphonie, puis un opéra, Fritjof Saga. Je voyage aussi. À Copenhague, je rencontre Niels Gad, qui trouve que ma musique n'est pas du tout féminine. À Berlin et à Dresde, je joue et dirige mes œuvres en concert. J'ai écrit en tout une trentaine d'œuvres pour orchestre, de la musique de chambre, des pièces pour piano et des lieders. Mais c'est l'orchestre que je préfère. C'est vers cela que tend mon désir profond. Ce n'est que lorsque je le maîtriserai que mon âme trouvera le repos.